Qu'est-ce que la GPEC ? C'est une gestion anticipative et préventive des ressources humaines, visant à améliorer l'adéquation entre les compétences des salariés et les besoins de l'entreprise à court et moyen terme. C'est une gestion des ressources humaines adaptée aux spécificités de l'entreprise et aux enjeux de ses acteurs, et proportionnée à ses ressources. La GPEC vise à combler l'écart entre les compétences dont vous disposez aujourd'hui et celles dont vous aurez besoin demain. Pour l'entreprise, il s'agit de s'assurer de la mobilisation des ressources humaines nécessaires au développement et à la pérennité de l'entreprise, anticiper les besoins en formation, anticiper les risques et les opportunités liées à la pyramide des âges, répondre à l'obligation triennale de négocier la GPEC, répondre à l'accord interprofessionnel et à la loi sur la formation tout au long de la vie. Pour le salarié, il s'agit de mieux comprendre les changements qui impactent sa filière et son métier, faire le bilan de ses compétences, identifier et développer des compétences transversales, repenser et sécuriser son projet professionnel, provoquer et saisir les opportunités de la mobilité positive. Et concrètement, comment fonctionne la GPEC ? Il faut, pour commencer, réaliser un diagnostic global et stratégique de l'entreprise. Que savons-nous faire ? Que voulons-nous faire ? Quels sont nos besoins ? Vient ensuite l'analyse des métiers, activités et compétences, bref, des ressources actuelles de l'entreprise. Enfin, il s'agit d'identifier les actions, en termes de mobilité, de formation, de recrutement ou de réorganisation. Ces actions visent à réduire les écarts entre les ressources actuelles et les ressources nécessaires. Il s'agit avant tout de répondre aux futurs besoins de l'entreprise. La GPEC implique les responsables opérationnels de l'entreprise et l'encadrement de proximité. Elle est un outil de dialogue social avec les représentants du personnel.